Bonjour à toutes et à tous. Revue liquide, toujours liquide. On va aller chez Liquide France. Liquide France, c'est une gamme qui est premium, une gamme qui a beaucoup fait parler d'elle dans les mois et les années qui sont passées, ainsi que cet été. Pour pas rappeler, je vais faire un peu de pub. Hein, il y avait les Classic Kiss, voilà, une gamme de tabac. Plutôt orienté tabac, j'avais bien apprécié les Sweet Cream, une belle surprise aussi à l'époque. Les Fruitsy, donc c'était celui-ci. Voilà, alors ça, c'est un best de cet été avec un gros défaut. Avec un gros défaut pour ceux qui vapent en dripper, voire même ceux qui ne sont pas forcément en dripper, le frais. Waouh, c'était mais alors frais. Donc, illiquide a décidé de nous sortir. Je cherche ça. Hein, merci Gwen pour tout un blablabla pour nous rappeler ce qu'il y a dedans. Donc, ils ont sorti une nouvelle gamme. Donc, je rappelle, hein, les Fruitsy, c'était donc ceci. Voilà, avec une tonne de coulada pour pas citer. Je sais même pas si c'est le coulada qui était dedans, mais en tout cas, c'était la patate. Pour ceux qui aiment le frais, malaisien, etc., c'était la patate. Ils viennent de sortir, donc ils viennent et rien avec ça. Voilà, ils ont compris. On leur a dit trop frais. Eh ben, no fresh, no fresh, tout court, no fresh. Pas goûté, pas ouvert, mais no fresh. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais carrément le lire. Nous avons le Crazy Mango, donc une excellente sélection des plus beaux manguiers. Le Crazy Mango va vous faire voyager dans les contrées exotiques, là où la mangue sont onctueuses, grasses et sucrées, c'est un faux goût de pêche et de fleurs. Avec un faux goût de pêche et de fleurs. Donc c'est parti pour le mangou. Le mangou, donc la présentation, la bouteille, c'est comme ceci. Ce qui est avantageux aussi chez eux, faut pas que je les quitte, hop, je ne le mettrai pas dedans, je vais le vaper en zéro aujourd'hui. Je verrai, suivant mon ressenti, peut-être que je mettrai un taux de nicotine dedans. Voilà, donc ils nous font le 50 ml avec un booster, mais celui-ci, le booster, est aromatisé au même goût que ce que vous achetez. Donc, si vous allez dans des shops physiques acheter celui-ci ou l'autre, prenez le booster qui va avec pour ne pas avoir cette déperdition de goût par rapport à au liquide que vous achetez. Ne mettez pas un booster classique dedans, c'est bête. Ils vendent les deux, achetez les deux. Les shops physiques, voilà, faites un effort, achetez le booster qui va avec et vendez à vos clients le booster qui va avec. Ne vendez pas forcément votre booster, même si le vôtre est très bon. Mais là, pour une fois qu'ils font des boosters aromatisés au liquide qui vous vendent, et ben faut acheter les deux. Voilà, donc. Comme d'habitude, chez eux, c'est une bouteille de 50 ml. On vient de visser. Ils vous offrent avec cette petite pipette qu'on va mettre dessus. Hop. Voilà. Se couler. C'est pas plus mal. À l'odeur, ça sent de grosse mangue. Ils ont pas tort. Bon, voilà, je suis avec ce type de montage-là. Coton neuf. Ça fusait de 3 âmes. Un ami Christophe. Je vous conseille de regarder la revue de ce qu'il est capable de faire. Ce mec-là fait des très beaux coils, très bons et a pris des fions toute confiance. Me demandez pas machin, je dois être à peu près à 0,20 ohms. Montage neuf sur une petite box plutôt sympathique que tout le monde connaît. Voilà, ben, le mangou, nos fraîches, on va voir ce que ça peut donner par rapport à un mangou fraîche qu'on avait avant. Là, il n'y a pas le frais. Pardon. Si t'aimes vaper valaisien, vas-y. Si t'aimes vaper philippin, bah vas-y. Mais sans le frais. Super mangue. Alors, le côté de la pêche, moi qui n'aime pas la pêche, et de fleurs, je sais pas si c'est ça qui fait que. Bah là, j'aime bien la pêche et des fleurs. Super bon. Alors là, par contre, n'allez pas, si vous aimez le frais, n'allez
pas du tout sur ce liquide-là. Si vous aimez le sucré, sucré, sucré en goût, le mangou là, il est cher. Je dis pas ça parce que je l'ai reçu. J'aurais pu dire, pas bon. Mais franchement là, pop, pop, pop. Ils vont cartonner. Franchement, super bon. Grosse mangue juteuse. Le fruit, quoi. Enfin, le fruit. Le côté pêche, je le sens pas. Alors, est-ce qu'ils ont mis un peu de pêche pour sucrer le truc? Moi qui n'aime pas la pêche à vaper, je la sens pas. Ou tout au moins, je la perçois pas. Le côté floral, peut-être pour donner, je pense. Alors, je pense que c'est ça qu'ils ont été chercher. Le côté. Floral pour donner un peu le côté fibreux de la mangue. Met des fibres dans les fleurs. Bon, ça donne un côté un peu fibreux à la mangue dans son jus ultra sucré, même s'il n'y a pas de fibres. C'est bon. Je vous ai dit, ça donne un côté fibreux. Point, c'est tout. C'est mon ressenti, c'est mes papilles. Donc, mon goût, validé. Franchement, il est liquide. Alors, c'est pas parce qu'il m'a envoyé liquide, on est bien d'accord. Font franchement de très, 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 très bons jus, je trouve. Je rappelle le suprême, le relax. Enfin. Je me rappelle plus des chiffres, il y a longtemps, il m'avait envoyé aussi. J'avais goûté un donut chocolat. Putain, c'était une tuerie. Le chocolat est très compliqué à faire en vape. Ils ont plein, plein, plein de liquides à découvrir chez eux. Si vous ne connaissez pas cette marque-là, vous pouvez franchement y aller goûter les packaging au top. Les liquides, franchement, de très, très bonne facture. Voilà, là. Encore un, mon goût fraîche. Les Fruitsy, il ne faut pas les dénaturer. Fruitsy, le seul souci, franchement, qu'ils avaient, c'est qu'ils ont voulu aller vous perturber les papilles, je pense, type malaisien, philippin, mais alors, encore plus fort qu'eux. C'est très frais. En attendant, il faut être honnête, que ça se vapait quand même plus facilement, mais en dripper, à certaines puissances, je pense que c'est là-dessus qu'ils ont eu du retour. Essentiellement, c'était quand même très 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 frais. Enfin, là pour le deuxième, on va aller vers quelque chose que j'adorais. Par contre, en fruity, celui-là, j'aimais bien. C'est donc le citron orange mandarine. Voilà, donc toujours une belle présentation, soignée, nos fraîches, hein, pour vous le rappeler. Qu'est-ce que Gwen, voilà, Gwen, c'est celle qui fait la côté commercial de la chose, hein, avec qui on a de bons rapports, hein, tous. Quelqu'un de très gentil. Hein. D'ailleurs, elle m'a marqué, merci de nous faire bosser. Il n'y a pas de souci, je te ferai bosser autant que tu veux, Gwen. Donc celui-ci, c'est un destrillant mélange d'agrumes et d'intensité composée. Composée. Non, c'est moi qui compose avec l'équilibre. Celui-ci, moi, je l'avais adoré. Je le redis, en frise, on retrouve bien sûr bah, le côté booster hein, qui va avec. Donc c'est marqué dessus, hein, sur le booster, il y a marqué exactement la même chose. En gros, on retrouve un petit flacon, mais en tout petit, voilà, avec tout ce qui va bien dessus, pour mettre le taux de nicotine. Franchement, mon goût, déjà, je peux le vaper en zéro, il n'y a pas de souci. Celui-ci, donc, citron, mandarine, orange, un blanc d'agrumes, voir ce que ça peut donner. Parce que moi j'aimais bien par contre, c'est là où le truc va baisser, c'est que j'aimais bien Fritz. On retrouve exactement le même équilibre que dans le Fuji. On a une mandarine qui est présente, on a une orange qui est présente, on a un citron qui est très présent. Il n'y a rien qui prend le dessus. C'est-à-dire que moi, au bout, j'ai vraiment la sensation, bah, à la limite, j'aurais trois bras, et puis j'aurais chacun un fruit dans mes mains, et je fais crac, crac, crac.
Voilà, vraiment le bon équilibre. Moi, personnellement, très bon, et vraiment très bon, mais presque je préférerais Freeze. Voilà. Parce que là, par contre, le côté frais avec ça qui était derrière, c'était mieux. Mais il est très bon. Très très bien fabriqué, l'équilibre est parfait, on retrouve exactement ce qui est écrit sur l'étiquette, la façon de dire, hein. De la mandarine oui, de l'orange oui, du citron oui. Moi je vais les vaper. Hein. Je vais pas faire comme certains, demain vous ne me verrez pas sur Facebook en train de vous dire, je vous les revends. C'est validé. Pour le deuxième, validé. Le dernier, donc celui-ci, je ne connaissais pas, le Bloody Summer, nos fraîches, donc voilà, il a une couleur bien attitrée, puisque forcément, machin. Quelle odeur il peut avoir? Je sais pas. Donc là, on est sur un arôme de bonbons aux fruits rouges, avec une arrière, où derrière se cache du raisin blanc et du cassis. Les plus délicieux fleurs blanches. Alors. Si on récapitule, on donne un bonbon aux fruits rouges. D'accord, à l'odeur, hein, je parle bien. Derrière un raisin blanc, ça, oui, le raisin. Le raisin, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, on le sent bien. Un cassis. Un cassis. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je coupe 10 secondes et je reviens. Deuxième partie de la petite coupure avec mon enfant qui regarde la télé, ça mettra un peu d'ambiance. Je blague, mais je vais la faire comme ça. Pour le dernier, le troisième, le Bloody Summer, franchement, fruits rouges avec du raisin blanc et une pointe, on va dire comme ça, qu'est-ce qu'il disait ouais, de cassis. Je pense qu'ils ont mis une pointe de cassis. C'est parti. Alors là, franchement, on est sur un truc super sucré, super bon. Fruits rouges, oui. Bonbons, côté sucré, un peu acidulé, oui. Raisin, au taquet. Le cassis, un tout petit peu pour sucrer. Franchement, super bon. Franchement, ils comprennent vraiment ce que veulent leurs clients. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, que dire sur eux? N'hésitez surtout pas à aller voir le site ou dans vos shops physiques, mais Illic France. Franchement, avec des belles gammes comme voilà, hein, le Sweet Cream. Les fruits qui étaient peut-être un peu frais, les classiques, il y en avait une troisième aussi, les premium, oui, pour ceux qui vapent encore du tabac, franchement, allez goûter le relax, je sais plus ce qu'il y avait, il y avait le relax et puis un autre, des tabacs sucrés, etc. Super bon. Pour les trois là, les trois nouveaux, donc les fruits, mais version no fresh, je valide franchement la mangue. Voilà, mangue, je rappelle toujours dans vos shops physiques, pensez à prendre le petit booster pour ceux qui vapent encore, quoique moi je vape avec de la nicotine. Sans nicotine, c'est déjà super bon, mais si vous avez vraiment besoin de nicotine, pensez à prendre le booster qui va avec. Donc le Crazy Mangue, validé sans aucun remords, c'est du malaisien sans le frais, voilà tout simplement, c'est du malaisien sans le frais, une mangue franchement super bonne et en plus. Une pointe de pêche que je ne sens pas juste pour sucrer avec un côté floral pour côté fibreux, oui, validé. On va vers celui-ci, moi je le validais déjà dès le départ. J'étais très ravi qu'il ressorte. Citron, orange, mandarine, franchement, nos fraîches, je l'adore. Franchement, très bon. Franchement, je vais le vaper, mais franchement. J'aime aussi le côté frais de la gamme de cet été, les fruits fraîches, hein, si on peut les appeler comme ça. Mais je l'aime beaucoup. Beaucoup, c'est peu dire. Je vais le vaper.
Et belle surprise. Donc pour moi, le Bounty Summer, j'avais point accroché sur la gamme d'avant, le celui-ci d'ailleurs qui m'en reste encore, c'est le seul qui me reste des trois. Celui-ci, c'était le col à pomme, j'avais pas trop accroché. Mais bon, peu importe, hein, comme quoi qu'ils peuvent aussi avoir des goûts qui plaisent ou qui déplaisent. Après, c'est qu'une question de goût. Mais celui-là, le Bloody Summer, alors celui-ci, franchement, pour ceux qui aiment le côté sucré d'un bonbon acidulé, qui aiment le raisin, qui aiment un peu le cassis, c'est pas trop senti dans celui-ci. Mais par contre, c'est super bon, c'est sucré, ça prend plein la bouche, on en prend plein les pattes. Donc, merci Gwen pour cet envoi, et surtout, merci, voilà, Pharmalux et la gamme de la marque e-Liquid France. Que dire de plus? Franchement, rien, si ce n'est que j'espère que dans les shops physiques proches de chez vous, il y en aura. N'hésitez pas à leur demander, ça vaut vraiment la peine. Trois super bons liquides. Franchement, trois très bons liquides. Que dire, vous allez les retrouver, ben, voilà, en fiole de 50. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est du 30-70. Donc voilà la petite présentation qu'ils faisaient, hein, avec le rappeler une eau fraîche, retrouver la saveur fruitée des fruits sans la fraîcheur, du 30-70 en zéro, en fiole de 50 ml, avec le petit booster qui va bien à côté pour vous mettre du 3, bah, s'ils sont aromatisés, logiquement vous pouvez monter un petit peu, hein, 3, 6, 9, peut-être 12, je vais pas en 12, mais je pense que voilà, en rajoutant des boosters, du fait qu'ils soient aromatisés, ça ne devrait pas gêner et détériorer les liquides, et ça c'est plutôt cool. Donc merci les liquides France pour ces trois jus que je vais me faire un plaisir de vaper. J'arrête de tchatcher, une petite barre, je me casse. Merci mon gamin pour la fin de la revue, comme d'habitude. À bientôt, et puis que la vape soit toujours avec vous. C'est toujours mieux que la clope, même si je fume encore. Je rappellerai toujours que la vapote, c'est toujours mieux que la clope.